Salut les filles, aujourd'hui donc une nouvelle revue sur iHerb. Alors, on reconnaît le magnifique colis fragile dans lequel se trouve en particulier du make-up naturel parce que fallait que je complète ma vanity parce que j'ai décidé de faire beaucoup de changements de ce côté-là parce que j'avais encore beaucoup de fards à paupières, de blush qui n'étaient pas vraiment naturels, donc je voulais vraiment compléter pour faire quelque chose de complet. Donc j'ai un petit peu flippé parce que là, hier c'était le 13e jour que j'attendais mon colis. Donc aujourd'hui nous sommes le 14e et je l'ai bien reçu. Mais je commençais à flipper, j'avais peur de ne pas le recevoir, mais je l'ai bien reçu. Et pour celles qui se posent la question, je n'ai jamais eu de frais de douane, ça doit faire la 5e ou la 6e commande que je dois faire. Pas de frais de douane et pas de frais supplémentaires de la part de la banque. Donc il n'y a rien qui a été pris en plus sur mon compte par rapport à ma commande. Donc c'est pas la première fois que je commande aux US et j'ai jamais eu de frais supplémentaires sur mon compte. Voilà ben pour ça. Donc j'ai flippé mais ça a bien été reçu. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis avec le temps. Il y a eu des tempêtes de neige, toutes des choses comme ça. Donc c'est évident que c'est normal qu'il y ait du retard. Donc voilà, on va passer un petit peu à la présentation. Donc je vais commencer par le meilleur parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai flashé. Alors il y a deux mascaras de chez Physicians Formula. Désolée pour mon anglais très français. Donc voilà un petit peu celui-ci. Donc qui a plu à nombreuses d'entre vous. Donc comme vous voyez c'est un tube assez épais avec une brosse assez grosse. Donc j'espère que la brosse fera bien l'affaire. Et comme précisé derrière, ils disent que c'est vraiment fait avec un contenu 100% naturel. Et ils expliquent justement que c'est fait sans choses synthétiques et que c'est beaucoup mieux pour les yeux, dont un petit peu pour les personnes surtout qui sont allergiques, qui font des réactions à certains produits. Donc c'est expliqué qu'il n'y a pas de produits synthétiques, chimiques, parabènes et compagnie. Donc vraiment très intéressant, un packaging vraiment très attrayant. J'avoue, j'ai un peu, c'est surtout pour ça que j'ai acheté. Donc j'espère ne pas être déçue. Donc la brosse, on retrouve ce type de brosse qui est vraiment très épaisse. C'est pas le genre de brosse que j'adore, mais j'en ai pris un autre qui a une brosse beaucoup plus fine et qui sera peut-être plus intéressant. Mais j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Donc je vais ouvrir pour vous présenter la bête. Hop. Alors ça s'ouvre comme ceci. J'extire un petit peu le... Hop. Oh, magnifique, j'adore, ça brille. C'est très naturel, vraiment la feuille, on retrouve vraiment quelque chose de magnifique. J'aime beaucoup. Certaines diront que ça ferait gadget, jouer en plastique pour les enfants, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Quoi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Très intéressant, n'empêche. J'aime beaucoup. Ah ouais, la brosse est géantissime. Voilà un petit peu. Par rapport à mon œil, c'est assez gros. J'espère que ça va être bien. C'est beaucoup de petits picots. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donne. Si les filles qui s'y connaissent au niveau brosse, qui pourraient me dire un petit peu ce que ça fait ce genre de brosse. Si c'est plus du volume, si c'est plus allonger les cils, si c'est plus les travailler, les étirer ou des choses comme ça. Parce que j'en sais rien du tout. Puis moi je suis un peu nulle en anglais donc c'est pas évident. Bon, on verra bien. Donc bon, vous me direz un petit peu ce que vous en dites. Ensuite un deuxième de la même marque qui a un packaging aussi très attrayant, vraiment très sympathique, que vous avez peut-être moins préféré, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Toujours une histoire de feuilles, quelque chose de naturel, des couleurs très neutres, très claires, très attrayantes également. Donc la brosse qui est beaucoup plus fine, qui apparemment devrait correspondre un petit peu plus à mes attentes. Donc toujours le même type de présentation, expliquant que c'est mieux pour telle et telle chose. Au niveau des compositions, on retrouve du citron, de l'orange, de la glycérine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La wax, c'est normal. L'aloe vera, des extraits de fruits, l'huile de soja, protéines, enfin beaucoup de bonnes choses.
Et on retrouve aussi le fameux logo qui nous rassure, qui est de chez EcoCert. Donc c'est exactement pareil pour le même pack, pour l'autre boîte. Donc je vais déballer devant vous également. Voilà. Vraiment très bien emballé, j'aime beaucoup. Donc ici on retrouve un mascara plutôt rond. Avec plein de petites feuilles, vraiment très sympa. Oula, bah il va plaire. Vaut mieux pas que je montre aux copines parce qu'elles vont en vouloir. Ah, beaucoup mieux. Une brosse beaucoup plus fine. Par rapport à mon œil, voilà ce que ça donne. On voit un petit peu plus. Donc il y a des poils assez courts également. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ah voilà, comme ça on voit bien. Qui m'a l'air beaucoup plus facile à travailler. Mais on verra bien. Alors, vous avez une préférence pour lequel? Moi je dirais celui-ci. Donc pareil, moi je préfère quand même celui-ci. Donc ce sont des couleurs noires apparemment. Ici c'est écrit noir, ici il n'y a rien d'écrit. Mais bon, je suppose que c'est noir vu que ce qui en est sorti est noir évidemment. Un peu bête ce que je viens de dire. Ensuite, je dégage ça. Hop. On va passer à la marque. Attention, hein, faites pas attention à l'anglais. Everyday Minerals. Ça va? Alors, on a quelque chose pour le visage. Donc, qui apparemment donc est une poudre lumineuse, je pense. Pearl Beige Lucent Powder. Donc, qui a une couleur assez claire. Donc après, il faut aimer le maquillage minéral. C'est vrai que je ne suis pas très habituée. Mais je pense que si on n'en met pas 3 tonnes, ça peut être quelque chose de bien. Alors c'est présenté comme ceci. Donc il y a des petits trous pour se servir. Je pense que ça va être assez facile d'utilisation. Ça va être sympathique. Donc après, il ne faut pas le retourner non plus dans la vanity. Sinon, ça va être un petit peu la catastrophe. Donc on verra bien. Apparemment, ça doit illuminer le visage. Ensuite, toujours de la même marque, un blush qui se nomme Wild Flower Heaven, fait à base de mica, donc toujours naturel. Une marque que beaucoup d'entre vous connaissent et j'aimerais bien avoir vos avis sur mes choix, sur ce que j'ai choisi. Si vous avez testé, si vous avez aimé, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez. Ou si vous aimeriez tester ces marques. Donc vraiment très sympathique, une couleur qui m'a l'air très claire, discrète, tout ce que j'aime. Ensuite, toujours dans le maquillage minéral, mais une autre marque, Aubrey, que vous connaissez toutes, surtout au niveau des shampoings après shampoing. Donc on retrouve un packaging assez attrayant, intéressant, avec une magnifique fleur rose. Donc cette poudre se nomme Warm Rose, rose chaud. Voilà un petit peu. Donc on retrouve un logo qui montre que ce n'est pas testé sur les animaux. Produit naturel, certifié, voilà, c'est vraiment bien, on est rassuré également. Un packaging assez simple, mais qui brille derrière, qui brille de mille feux. Donc on retrouve un rose vraiment beaucoup plus chaud que l'autre, pour faire un petit peu la différence. Donc ici on retrouve un rose assez clair, ici un rose assez, voilà, assez chaud. Voilà un peu pour ça, au niveau du... De l'intérieur, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai du mal à l'ouvrir. J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Enfin bref, quand j'aurai réussi à l'ouvrir, je vous montrerai ça sur le blog parce qu'à mon avis, c'est extrêmement dur à ouvrir. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive vraiment pas. Soit j'ai pas de force, soit le truc est vraiment bloqué. Ensuite, on va partir sur Désert Essence. Non, on va continuer sur Aubrey. Donc j'ai pris un gloss Natural Lips. Donc toujours un packaging du même type. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez pailleté. Vraiment quelque chose de très voyant. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un rose pâle nacré. Blush Pearl numéro 373. Pour vous montrer un peu la couleur, si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'apparemment aujourd'hui je suis pas douée. Hop.
Hop, on va enlever un peu le bazar. Donc on retrouve le même style de packaging que le... Non, c'est pas ça. Que le blush. Donc le même style. Je vous le teste un peu devant vous comme ça. Hop. Donc c'est un rose un peu pailleté discret qui ressort très très bien. Donc là la luminosité est pas extra, mais c'est pas mal, mais ça reste discret hein. C'est vraiment pas un truc pimpant qui va vraiment faire ressortir vos lèvres. Je pense que c'est discret et juste bien quoi. J'ai prévu ça pour quand je sors, ça peut être vraiment pas mal parce que je suis pas trop gloss, moi je suis plus baume à lèvres d'ailleurs, vous avez le remarqué, donc ça va pas tarder. Ensuite je vais enlever ça de ma main, comme ça je vais vous faire une autre, un autre test. On va partir sur Désert Essence. Donc j'ai pris un concealer qui permet de d'estomper tout ce qui est cernes, poches et peut-être les petits boutons disgracieux. Donc j'ai pris la teinte light qui apparemment devrait correspondre à ce que je souhaite. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on retrouve un tube qui a un peu dégouliné, mais bon. Donc ça donne ceci. Je vais vous montrer. Donc ça donne une couleur assez bah, claire, qui à mon avis correspond bien à ma peau. C'est une texture assez épaisse, qui pénètre plutôt bien. Ça m'a l'air pas mal. Donc on verra bien un peu ce que ça donne sur les boutons et prochaines cernes qui risquent d'arriver. Ensuite j'ai pris un baume teinté à la framboise rouge qui va plaire à plus d'une, je suis sûre. Surtout si vous avez testé les shampoings et conditionneurs de cette marque du même fruit, vous allez vraiment adorer je pense, et moi aussi. Donc une teinte assez rose. À mon avis ce sera quelque chose d'assez brillant, assez glossy. Je vais vous montrer ça. Voilà, quelque chose d'assez foncé quand on met comme ça. Et à l'application, voilà, quelque chose d'assez rose brillant comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Et ça sent extrêmement bon. On sent que la framboise ressort, ça sent super bon. Ensuite, de la même marque, bon là c'est pas très maquillage, mais bon, faut que je vous le présente quand même parce que c'est apparemment un indispensable à avoir quand on a les pointes et les longueurs sèches. Donc c'est le conditionneur coconut de chez Désert Essence qui apparemment sent extrêmement bon le coco. Donc on retrouve un packaging assez attrayant, intéressant, il est vraiment magnifique je trouve. Les cocos avec les fleurs roses comme ça qui ressortent, c'est vraiment pas mal. Une texture qui m'a l'air assez épaisse et blanche pour représenter évidemment la noix de coco. 237 ml et une composition plus que satisfaisante. Ensuite, on va partir dans tout ce qui est baume. Donc j'ai pris deux baumes à lèvres de chez No Solutions. Donc vous avez pu voir que j'ai testé l'un de leurs shampoings qui était le Full Berry. Pour cheveux fins, donc pour leur donner du volume, et j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit c'est évident que je vais adorer ces baumes à lèvres. Donc on a le pomme-granate et vanilla, donc qui ont une composition également excellente. Donc précisé tout naturel, vitamine E et c'est tout. Au niveau de la vanille, on sent quelque chose de sucré assez léger, vanillé, mais c'est vraiment pas ça saute pas au nez quoi. Après il faudra voir à l'application ce que ça donne. Et pomme granate, on retrouve également quelque chose de sucré, mais j'arrive pas à situer, je sais pas si ça va sentir fort ou pas, donc on verra bien, je vous en donnerai quelques nouvelles. Donc également une composition vraiment excellente. Et enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec le visage, qui est un baume, un stick 100% beurre de cacao qui est fortement recommandé sur iHerb et qui est bien, qui a de bons avis, qui est vraiment génial apparemment, qui est conseillé pour tout ce qui est zone sèche comme les coudes, les genoux ou bien mes mains, parce qu'en ce moment mes mains c'est vraiment horrible, l'hiver est
affreux. Quand je vais dehors, je rentre, je lave mes mains, je ressors, je rentre, je me relave les mains. Je me lave les mains à longueur de temps parce que je suis en restauration et j'ai les mains plus qu'abîmées. Donc je pense que ça fera vraiment son effet. Donc apparemment il faut pousser et le capuchon s'en va et se casse la figure. Et on retrouve un stick donc assez gros, assez épais et qui sent extrêmement bon. Le cacao, le chocolat. Donc on retrouve bien l'odeur de chocolat. Et c'est 100% beurre de cacao. Je veux dire, vous n'avez pas, vous avez pas d'ajout chimique ou quoi que ce soit. Donc on ne peut plus naturel. Et vraiment, ça a l'air pas mal du tout. Donc après, bon, j'ai pas encore testé. Mais quand j'aurai l'occasion de le faire, j'hésiterai pas à vous en donner quelques nouvelles sur le blog. Donc voilà un petit peu pour les news. Donc j'espère que cette petite revue iHerb vous aura plu. Donc pour celles qui souhaiteraient commander, je vous propose un code qui vous offre 5 à 10$ de réduction selon le montant de votre commande. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc, je vous mets le code ici, voilà, pour celles qui sont intéressées et aussi en barre d'infos pour plus d'informations, pour les informations supplémentaires. Donc n'hésitez pas à consulter le blog qui se trouve également en barre d'infos si vous voulez avoir petit à petit des nouvelles de ces produits. Donc n'hésiterai pas à rajouter les liens s'il le faut, mais dans tous les cas le lien du blog sera dans la barre d'infos. Donc pour celles qui ont testé certains de ces produits, certaines de ces marques et qui ont des produits à me conseiller, des produits que vous n'avez pas, que vous ne me conseillez pas parce que vous n'avez pas aimé et pourquoi, n'hésitez pas à réagir à cet article. Donc si à cette vidéo évidemment, parce que cet article ça n'a rien à voir. Également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles !